Bien le bonsoir. On se retrouve pour un nouveau stream. On va continuer sur Saints Row 2. Je n'ai mais absolument rien, farmé, rien branlé du tout. Je n'ai tenu aucune promesse, bien évidemment. Stream commence un peu tard, du coup on va pas y rester bien longtemps. Je regardais le truc de le stream là sur Mario Kart. Un poil honteux quand même, on va pas se mentir. La team Ponce méritait la victoire. Mais c'est pas grave. Surtout en fait, il n'y a pas eu la dernière course. Et c'est ça qui est dommage en vrai. Et en plus, c'était que 10 points d'écart, donc en vrai, ils auraient pu grave rattraper la team Ponce. Donc, pas tellement mérité, mais tant pis, c'est comme ça. Il y aura sûrement une revanche en plus. Le focus, bien évidemment. Ah putain, j'ai oublié de paramétrer ma webcam. Comme un gogol. Hop, voilà, qui sera mieux. C'est vrai que j'ai un peu tapé sur mon bureau, voilà, je vais pas vous mentir. D'où le fait que mon ventilo... Mon ventilo n'est pas très content. C'est pas bien grave, tant pis. Il est un peu mort, ce ventilo. À chaque fois que je lance un jeu, ça casse. Donc je suis pas bien heureux. Du coup là on est un peu dans la merde, je pense que je vais passer une heure à farm du respect, on va peut-être pas trop avancer ce soir, on va peut-être faire des bastions, si ce soir on va faire des bastions, et on va faire des bastions, et peut-être faire aussi la mission, de Shandy, mais avant ça faut qu'on farm, parce que je n'ai rien farmé du tout, vous voyez, je n'ai absolument rien farmé, c'est décevant en vrai dans ce jeu là, le fait qu'on soit obligé de farmer, ça me dégoûte un petit peu. Putain, t'es fort au baston, toi. Attends. Voilà. Viens pas jouer dans mon quartier. On va essayer de tuer des gens, des gangs rivaux. Ça rapporte beaucoup de points, surtout quand c'est bien fait. Il faut qu'on évite de crever. Notre voiture custo, bien évidemment. Ok, les gangs rivaux. Là, ici, c'est chez les... C'est rouge. On pourrait peut-être... on va aller chez les verts. Ça rapporte vraiment beaucoup. Vraiment, j'en ai fait un petit peu. Et vraiment, ça nous rapporte, mais un bal. Hein. Ça nous rapporte un bal. Donc là, on est chez les verts, techniquement. Ouais, alors, ce territoire-là est tout petit, il faudrait qu'on arrive à le conquérir. Ouais, je me doutais bien que j'allais pas en trouver beaucoup, étant donné que c'est un territoire un peu encerclé. Ici, c'est chez nous. En vrai, on couvre beaucoup de territoire. Non, bah, on va faire la course avec notre bagnole en plus. Ouais, on va faire la course en plus avec notre bagnole, ça devrait être tranquille. Oh bah c'est mort. Ah, elle est un peu trop rapide, ouais, elle est pas très maniable malheureusement. Ah oui, non mais c'est complètement mort là. Pour battre le record. Encore avec l'autre c'était possible parce qu'elle était plus maniable. Avec celle-là ça va être compliqué. Oh, c'est mort, putain, je détruis ma bagnole. C'est une catastrophe. Et là, ouais, voilà. Et là, ici, je savais qu'on allait être propulsé. Ah, j'ai pas pris la meilleure voiture. Hein. Putain, elle est incontrôlable. Quoique, putain, on l'a éclaté notre record même. On vient... Attends.
on vient vraiment décliner notre corps, on peut mieux faire, c'est ça le pire. On peut mieux faire. Incroyable, insane. Insane, franchement là. Non mais en fait faut qu'on tue des membres de gang. Hein. Sur la course en fait je l'aime bien mais elle commence un peu à me faire chier. Très honnêtement là. Après l'avoir fait plusieurs fois d'affilée, ça commence un peu à faire chier. C'est bien en rouge. Ah oui. Alors pourquoi est-ce que j'en vois pas? On fait peut-être profil bas, on les a bien éclatés, faut dire. Il y a un parking à côté, mais on... Oh les couilles. Oh bah oui. Ah. Ma supérieure bloque le passage. Bah 2500, oui, ça fait de la Tunisie. Qu'est-ce qu'ils vendent? Mais vous vendez de la merde dans ce jeu. En vrai, depuis que j'ai commencé le jeu, il n'y a rien qui m'a... Ouais, on vend des fous de merde. Tempi. N'empêche que ça fait un magasin d'acheter. Ici, on a une activité inconnue. On va essayer de voir ce que c'est. Potentiellement la faire. What the hell? Macadam. Wow. Non, moi, je veux juste buter des mecs des gangs rivaux. Là, on a un... Là, ici, là, par là, là, ça a l'air d'être chaud. Si on chope leur bastion, là, on aurait un méga quartier, là. Putain. Voiture incontrôlable. Les Saints sont partout. Voilà, je vais cut. Sérieux là? Je viens de tuer l'un des vôtres. Vous êtes énervé contre moi. On voyait toutes les brigades. Visiblement non. Visiblement non. Non mais vraiment là, je viens de perdre leur notoriété, mais ils foutent... Mais ils ont des pop, mais...
Que j'essaye d'en tuer un maximum. Ça, ça rapporte. Vous voyez, regardez déjà tout le respect que je me suis fait là. Ça les vaut grave, ouais. Et merde. Ah non, c'est bon. Je croyais que ma voiture prenait feu. Round cut. Bon, je suis le chemin. Je vais prendre des risques. Inutile. Ouais, j'aurais pu cut. MP. La voiture prend cher, hein. La voiture va pas tarder à me lâcher. Essayer de faire ça le plus longtemps possible. Peut-être devoir changer de bagnole avant qu'il soit trop tard. J'ai pas mal d'avance. Qu'il soit trop tard donc. Bon, au moins on a un de respect. Pas grand chose, mais c'est déjà ça. J'ai envie de dire. Mais c'est vrai que c'est la baise. C'est la baise complète. Moi je pense qu'on peut se tenter un petit bastion des Brotherhood. Il y en a un juste là. Faut bien en faire un. Bien en faire. Et peut-être que du coup ça nous rapportera du respect en tuant des gars de même niveau. Par contre j'ai plus de mun. J'ai plus de mun, alors peut-être qu'on en récupère un. Hein. Ah, salut collègue, j'aurais besoin de... Non c'est bon, t'inquiète, je vais prendre la moto là. Ah ouais. Voilà. Tac. Faut pas me répondre. Impoli. De toute façon, on est devant un hôpital, c'est bon, il ira bien. Donc, on fait ce bastion et on prie pour avoir assez de respect pour en enchaîner. Parce que, ouais, ça me paraît être chaud quand même. On est parti. Boys watched Donnie's mechanic shop after you shook him down. Merrill went to check on Donnie, but when he left, he went straight to the docks to set up some business deal. I don't know what's going on, but a convoy of Brotherhood are going to the docks now. If you can hijack one of their trucks, you could probably join the convoy, get to the meeting place, and take out all the motherfuckers that show up. Let's go now. Non mais les gars vont pas peur. Hein. Je vais faire des munes parce que toutes les munitions comptent.
Putain, mais j'ai une putain de dépanneuse là. C'est bon, j'ai rattrapé. J'ai les gars en face, oh, c'est une catastrophe au niveau de leur conduite. What the heck? On se fait, ils se font pas chier, putain. Ils vont même jusqu'à tuer des leurs. Pour l'instant, on les suit, tout va bien. Il fait prendre du scam des brels. Ça veut discuter? Ben moi, j'ai pas envie. Putain, mais j'ai zéro mu. Je trouve un moyen de monter à l'étage pas ici. Putain, tu m'as fait peur. Malade. Récupère sur leur cadavre. Putain, le fait que j'ai assez de respect. Ça va jouer de peu, je vais mourir. Oh merde, j'aurais pas su. Plaisir. Allez, nouveau quartier maintenant. 34/45. Oh putain, j'ai pas assez de respect. Ça joue de peu. Comme je l'avais pris. De toute façon, là, faut qu'on aille dans un ammunition. Hein, parce qu'on a, on a air en mine. On n'a plus rien. Oh merde, il est explosif. Je viens de balancer un tonneau qui explose. Tout va bien. Ah, les voitures qui sont arrivées dedans. Du coup, maintenant, c'est un quartier qui nous appartient. Ouais, exactement. Enfin, je vois pas où on est. Je m'attends très bien celui-là. Oui, c'est un quartier qui nous appartient. À moins qu'il nous appartenait déjà, je sais plus.
Putain, ça manque de radio là quand même. Voilà. C'est qu'un extrait. Cette bagnole elle est horrible. Hein. Donc, oui, c'est vrai, il nous manquait peu de respect. Peut-être un petit contresens aiderait, hein, ouais. Dès que je peux, bah là, je peux. Ouais, je suis obligé de reprendre ici. Alors, combien? 53, ça ne suffit pas. Allez, je cut. Putain, il a de la chance le gars là. What the... Oh putain, mais je suis full merde. Eh ben la bagnole est morte. Tout bonnement. Tout bonnement. Où là-bas? Oh non! Mais pardon! Ta bagnole de merde là, j'en ai rien à foutre! Putain! Incroyable ce genre de comportement là. C'est fou! Ce non-respect là! Grosse ambiance, en tout cas. Mais j'ai pas grand chose à dire. Hein. J'ai pas grand chose à dire. Je suis très focus là sur gagner du respect. J'ai pas eu le temps de farm, donc malheureusement, ouais, c'est pas le stream le plus ouf. Ouais, mais malheureusement, j'ai pas de respect. Hein. J'ai pas de respect. Pourtant, je suis dans leur putain de quartier et là, y a pas un chat. C'est quoi ça? Ok, avec la string. Trafic de drogue. Putain, il me manque ça de respect quoi, j'ai pas envie de faire. Bon, si, allez, on l'a fait. Quoi? Non, non, j'ai pas envie. Oh, putain, je dois attendre 30 secondes. Allez, 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 allez. Tout est une question de patience. Ok, c'est bon. Normalement, j'ai la mission.
Trafic de drogue. Voyons. Sup? My cousin Tobias said that you might be needing some spare cash. Can you help me out? Any friend of Toby's a friend of mine. Here's what's going down. These over here are filled with a whole lot of shit that'd never get past customs, if you know what I'm saying. These over here are filled with clothes and hair dryers and shit. We don't worry about pile number two. Ça a l'air bien shooté. Same shit you did for my cousin. I make the deals, you make sure no one puts me in jail or in the ground. Protège les deals de drogue dans Stillwater pour gagner de l'argent et du respect. What you say we start slinging and shooting? I think this has been a pretty productive day so far. Ferme la fenêtre, un conseil. Ça, c'est pas mon gun habituel, ça. Même pas du tout, je récupérais le mien. These bangers are totally fucked. Et merde, orage. Grosse soirée. Oh là, toutes ces images perdues, ça y est, SFR est de retour. Voilà. Recharge. Perfect. Allez, plus de respect, please. Arrête de bouger avec ta bagnole. Ok, c'est bon. J'aurais pu faire plus de respect si je l'avais eu, mais tant pis. Oh yes. Oh yes! J'ai presque envie de la continuer parce que, en vrai, ça rapporte pas mal. On l'a fait une deuxième fois, ensuite on refait la mission de Shandy. Et j'ai pas d'armes. On refait la mission de Shandy et puis on fait un baston. Quoi que je vais voir en vrai. Je vais voir. Non, d'abord on va faire un baston plutôt parce qu'en fait faut qu'on avance au niveau des bastions. Parce que je crois que tant que je fais pas de baston, je suis dans l'incapacité de... De débloquer les missions finales. Hein. Voilà.
they think they were stealing from. Easy. Ouais, je savais qu'on aurait des pièges. Allez, putain, arrête de tourner là. Parfait. Hop, j'ai pas envie de faire un message. Parfait. Yes! Putain, mais ça rapporte de ouf les trafics de drogue! Oula, attends, non. Oubliez cette phrase. Non, non. Vraiment. Non. On oublie. Merde, j'ai. Bon, allez, on l'a fait une seconde fois. Et puis après, on arrêtera. Mais bon, je retiens. Peut-être que j'en referai à l'avenir. Putain, maintenant, ils sont deux dans les camions. Donc, faut que je vise le conducteur. Mais si j'ai un conducteur. Oh bah, ils se sont auto-butés. En plus, là, on est dans les quartiers des Saints. Sachant que, voilà, tout ce qu'on contrôle, hein, c'est en violet. Donc, bon, hein, ça va être tranquille ces missions, je pense. Putain, mais je peux pas viser là. Parfait. À peine j'en bute un, il y en a un nouveau. These guys would live longer if they knew when to quit when they were ahead. Avec la pluie, on voit rien. Hey, forever, man. But you're still fucking putain, j'ai pas eu le conducteur. Voilà. I ain't feeling this gang shit. We should totally come up with like a murder drinking game. Prends tout ton temps à conduire. Quand tu me diras, il est tellement camé que. On va pas conduire plus vite. Approche pas. Someone gets what the fuck we lose the law now. Perfect. Oula, c'est un peu ouvert à l'arrière. Pas grave. Très solide hein ce van. De toute façon non, ils peuvent pas nous avoir depuis l'arrière. Mais c'est vrai qu'ils ont ouvert une toute petite brèche. Radio là? Oh oui, trop bien cette chanson. Putain, mais en vrai, les radios classiques, elles. Putain! On les écoute pas trop dans les jeux vidéo de ce genre, mais. Avec votre métal de merde là. The Saints are cool, but beyond that, I'm done dealing with gangs. Okay.
Elle est trop bien cette musique en vrai. How many of these assholes are there? Putain, mais avec leur métal de merde là. Ils gâchent tous la chanson. La musique là. Ça dégoûte. Ok, ok. Wow, incroyable. Mais bon, j'ai suffisamment pour enchaîner 3 missions. On n'en fera pas 3 ce soir. On va faire un bastion. Et puis ça sera déjà pas mal. Mais ouais, du coup, c'était où les trucs de drugs? Je sais plus. Bon, je les retrouverai. On est où, nous? On est ici. Non, bah du coup, en fait, on est juste à côté de la mission. Du coup, en fait, on va aller la faire. On fait la mission. Et puis... De toute façon, je suis obligé de la refaire, en fait. Et vu qu'on est à côté, je me dis, bon, allez, fuck off. On la fait. Mais ouais, j'aimerais bien faire les bastions des Sons of Samedi en priorité parce que... Putain, il m'aime... Non, genre il m'adule. Je sais pas. Surtout là, on en aura rien à foutre de moi. Hop là, c'est parti. En espérant qu'elle ne plante pas. You gonna stand there or you gonna work out? I get enough cardio running from the cops. Suit yourself. I'm surprised you can run 5 minutes without copping up a lung, let alone 5 miles. I'm full of surprises. Then surprise me and tell me how you're gonna take out the general. Well, that creep's always riding around in that limo of his, right? Yeah. So I figure the easiest way to find him is to go and tap into the traffic cameras at the police station. I don't know if easiest would be the word I'd use. All right, so it's not the easiest way, but it's the quickest. Besides, now I get to tag along. Are you high, or do you not remember the part where I told you that I wasn't gonna babysit you? Okay, so you're gonna hack into the traffic cameras then? Yeah, that's what I thought. Let's go, boss. On est vachement plus grand. We gotta get some disguises. Trouve les réparateurs. Oh, il y a un truc rouge. Ah d'accord, c'est pour aller au réparateur, je crois. C'est vu que ça nous disait d'aller par là, je croyais que, enfin, que ça était à l'opposé, du coup. Ok, bon bah c'est une mission qu'on avait déjà faite, donc du coup bah y a pas de grosse surprise. Hein. Malheureusement on est obligé de la refaire étant donné que le jeu avait planté hier soir à ce moment-là. Mais c'est que quand je dis que ça a planté, c'est que ça a planté au moment où ça devait afficher le résumé de la mission. À pile à la fin de la toute dernière cinématique, il y a le fade out, paf, retour Windows. Le Mega Sum, ça pouvait pas planter pendant, ça pouvait pas planter au début, fallait que ça plante à la fin, comme avec le Saints Row 4 et 3. Enfin, le 3, en fait, c'est le moins planté que j'ai fait. Le moins planté que j'ai fait, mais ils sont tous plantés. Ils ont tous au moins planté une fois. C'est incroyable. Donc, hâte de voir au niveau des plantages pour le prochain opus. J'espère qu'ils en mettront un maximum. Sinon, je vais être un peu déçu. Logique. Non, je pense qu'ils vont... il risque d'y avoir du lourd pour le 5. Enfin, j'espère. Donné que celui-là met du temps à sortir. En plus. On le bute, hein. Pas trop le temps, malheureusement. Malheureusement. Always exciting. This should be a new look for you. You look great in a jumpsuit. You put a picture of this on your blog, I'll kill you. You gotta learn how to take a compliment, boss. So we tap the cameras and we're golden, right? Just tapping into the cameras isn't enough. That's why Pierce is jacking some electronics so we can set up surveillance at the hideout.
Ok, let's go. Bon, alors, par contre, la dernière fois, no joke, je sais pas ce qui s'est passé. On nous a... Ne sors pas d'armes dans le port où tu grilleras tes couvertures. Bah, je veux bien, mais en fait, la dernière fois, j'avais marché tranquillement et tout. Welcome to the Stillwater Police Department. How may I help you? So there's something broken, right? And it's our job to fix it. God, there's always something acting up in this place. The monitoring station's upstairs. All right, let's get to the control room. Ah, comment en fait il est dit qu'il faut qu'on aille mollo? Qu'est-ce qui est l'élément déclencheur? Voilà! Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, putain! Franchement! En fait, je comprends pas ce que j'ai fait. Je comprends pas ce que je fais de mal. Je vais regarder sur internet s'il y a moyen de faire la mission de façon legit ou si c'est fait exprès. Dans ce cas-là, c'est très mal fait, en fait. Et surtout là en fait je vais crever du coup c'est super dur. Bah oui bien sûr que je vais crever. Bien sûr. Tout en plus je crois que ça met du temps en plus hein. Ça va pas être une lumière. Hein. Ah quel osmile blick. Oh putain, j'ai fait les deux d'un coup. Incroyable, une scène. Ah, j'ai fait quelques minutes. What the heck? Ça arrive par là, ok. Ok, d'ac. J'avais ta tête. Putain, ça tire, ça tire. Oh la vache. T'en t'es rien d'héroïque. Mais en plus c'est cramé quoi. On est au niveau de la salle des caméras. Genre ils vont du coup la désactiver en temps normal dans la réalité. Ils font quelque chose, ils agissent. Ils vont pas faire. Bon ils ont touché aux caméras mais à mon avis ils ont dû les nettoyer juste. C'est ok. C'est legit. Nope. 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 I don't agree with that. Putain ils reviennent en force. Ils reviennent en force. Ah bah je... Ils sont rentrés de patrouille, ils ont été appelés en renfort. Mais... Si on est RP... Ouah la vache, je m'attendais pas à ce qu'il y avait. Si on est RP, c'est ça. Ouais. Bon, t'as pas bientôt fini, Shandy, là, en vrai, ça fait chier. Allez. Ah. Magne-toi! Voir ce que tu fais sur ton écran. Waouh, ok, je comprends, ça a l'air complexe. Complexe de ouf. Oh, ça va me tirer dessus. Ah, ils font feu direct. Attends, peut-être que je peux faire un petit coup là. Putain. Normalement, dans les pales, ça marche, hein, théoriquement. Les pales, c'est du dur. Hein. Oh, putain de merde. Non, mais c'est bon, allez, je me casse. Je vais pas prendre de risques. On a bien
Oh pardon. T'es bon, t'es dedans, Shandy? Incroyable. Oh putain, non! Dès la non-luck! Ça one-shot! Bien évidemment que s'il me lance une roquette, je... Oh, j'en ai marre. J'en ai marre de cette mission de mort, là. Elle est toute conne, putain. Je patiente vraiment la trois quarts du temps de la mission, quoi. Non, mais dégage ta gueule, en fait. Je m'occupe pas de toi. J'ai autre chose à foutre, les gars. Faut que j'aille au terminal, d'accord? Laissez-moi tranquille. Mais laissez-moi en paix! Putain, puis en plus, elle recharge même pas. Mais quelle conne! Allez, fais ta merde. Pendant 1000 ans, surtout. Mais 1000 ans aussi, avec le truc. En vrai, là, je suis dégoûté, là. Je me prends une putain de requête à la fin, quoi. Bien évidemment que je suis dégoûté. À chaque fois, les fins de mission, elles m'achèvent. Comme sur Mario Kart. Faut que je m'ouvre. En plus, cette arme qui met du temps à charger. Ah, je vais mourir, hein. Bon, maintenant faut patienter quoi. Ouais, ça va venir. Ouais, du coup faut que je... D'ailleurs que je m'occupe de l'hélico aussi. Il y en a plein. Petite grue là. J'ai touché des gens. Ah ouais, j'en ai touché. Ah mais ouais, du coup j'ai plus mille moi. Fais chier, fais chier, fais chier. Faut que j'ai mis une sélicataire. Je sais pas si je vais lui faire des dégâts. Oh bah attends. Bah oui, je suis con, il était fixe. C'est easy. En espérant qu'ils en appellent pas un autre. Oh putain, il y en a un autre. Oh putain, ils en ont appelé un autre. Ne bouge plus, reste stable. Et je vais crever encore une fois sur cette mission demain. J'ai besoin de life. Ouais, mais je vais me reprendre une roquette dans la gueule en fait. Quoique. Si tu restes stable, bâtard. Putain, j'ai plus qu'une roquette. Arrête de bouger, arrête de bouger! Ça, c'est joué de peu. Hein. Ça me dégoûte. Je tente, hein, mais ils vont. C'est simple, ils lancent une roquette, on est mort. Un hélicoptère. Uh-oh. Let's go!
What? Non mais c'est bon, j'étais sur le truc là, vous allez pas demander de la précision. Non. C'est bon. Si ça replante, je vais péter un câble. All right, people, here's the deal. We... Yes! J'ai cuté la cinématique parce que j'avais trop peur. Alléluia! $25,000 en plus. Troy's gonna get his. Eh, non mais, je suis pas fou. Direct! Direct la sauvegarde, mais direct! Et de toute façon, on va s'arrêter ici. Putain, 54 minutes, c'est très peu. Hein. Très très peu, mais... Non, j'ai envie de m'arrêter ici. Je vais essayer de farm en off, en fait, du respect. Et demain, on s'occupe des bastions. Donc demain, on est jeudi. Ce qui fait que vendredi, potentiellement, on fait les dernières missions. Je sais pas du tout comment le jeu va se passer. Je sais vraiment rien. Ce qui est sûr, c'est que cette semaine, il est terminé. Mais putain, je pensais le finir plus tôt dans la semaine, pour être tout à fait honnête. Je recharge un petit coup pour être sûr. Là, je pensais le finir plus tôt que maintenant, en fait. Ouais, tout à fait honnête. Donc là, un petit peu mis sur le cul. Le fait de que ça mette autant de temps. Le fait que ça mette... Faut que je réinstalle Discord en plus, ça me casse les couilles. Ça aussi. Je pensais le finir genre bah, aujourd'hui ou mardi. Quoi. Et en vrai, non, il va être très très long. Il va être très très long celui-là. Mais en fait, c'est à cause du respect. Uniquement à cause du... Du respect, il est long parce que voilà. Il n'y aurait pas le truc de respect, je pourrais enchaîner les missions et les bastions, mais je pense qu'on l'aurait fini depuis quand même. Peut-être on l'aurait fini aujourd'hui, voilà. Enfin bref, c'est pas grave. Donc là, du coup, demain soir, on fait tous les bastions. On peut même faire quelques missions si on enchaîne bien les bastions et que je commence assez tôt. On peut peut-être le finir demain, mais là, ça m'étonnerait. Surtout en fait, je sais pas si c'est les bastions qui vont permettre de tout débloquer. Ou s'il y a d'autres enjeux, mais ça m'étonnerait. À mon avis, une fois qu'on a fait tous les bastions, on est bon là-dessus. D'ailleurs, je ne sais pas s'il nous reste des missions avec les Sons of Samedi. Comme un con, je n'ai point regardé. En tout cas, bon, voilà. On a passé une petite heure dessus. C'était très, très court, mais on a avancé tout de même. On a fait deux bastions. Non, un bastion. Un ou deux bastions, je sais plus, et du respect. Surtout, j'ai découvert d'autres activités et tout, donc c'était cool. On a farm un petit peu de respect. Et on a refait la mission qu'on devait faire aujourd'hui. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On aura pu à la faire. Bien, et bien du coup nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. C'était ultra cool en vrai. N'empêche j'ai bien kiffé en vrai, parce que là ça sent la fin du jeu, les missions, on gagne de plus en plus de fric avec. En vrai, il y a moyen que voilà. Et ensuite, je verrai. Soit j'enchaînerai directement avec le Life is Strange Before the Storm, soit j'attends encore un tout petit peu qu'on fasse le Portal 1, mais le Portal 1 est super court. En plus, c'est pas garanti qu'il marche. Et déjà, il faut que je le réinstalle, du coup. Mais j'espère qu'il marchera, le Portal 1, parce qu'on a fait le 2, et je me kifferais faire le 1, qui est pas mal aussi. Même si le 2 est mieux que le 1. Ce qui est assez rare, généralement ce sont les premiers qui sont les mieux et les deuxièmes qui sont moins bien. Là vraiment le 2 est juste incroyable. En fait c'est simple, c'est un jeu qui, le Portal 2 pour moi, et pour beaucoup, hein, je pense que je suis pas le seul, je trouve pas de défaut. Il est ni pas assez compliqué, ni trop compliqué. Il est ni chiant, enfin parfois il y a des petits moments où c'est lent, enfin c'est... Ils ont super bien modéré le truc, genre parfois c'est un peu plus lent, un peu plus calme, il faut réfléchir, on met du temps sur un niveau. Et puis d'un seul coup, hop, ça réenchaîne. Enfin, c'était juste trop bien. Bon, après, c'est vrai que parfois il y a des niveaux où j'ai dû regarder sur internet, je crois, parce que c'était un peu complexe, mais en vrai, c'est pas vraiment un défaut, quoi. C'est juste moi qui galérais.
Mais franchement, c'est un jeu incroyable. Donc j'aimerais beaucoup faire le 1, qui aussi est très respectable, mais très court, hein. Je crois que c'est un quart de jeu après. C'est extrêmement court. Mais le 2 aussi était quand même assez court. Le 2 aussi était assez court, hein. Je crois que le 2 fait même pas 8 heures, 10 heures, je crois, dans ces eaux-là. Enfin, comme tous les jeux, mais ouais, c'est même encore plus court que ça, je crois. Je sais plus exactement. Mais bref, en tout cas, c'est un bail de genre. Bref, en tout cas, passez une bonne nuit. Oula, ouais. Passez une bonne nuit, une bonne soirée. Passez un bon jeudi. Passez un bon jeudi, passez une bonne journée. Et nous, du coup, on se retrouve demain soir pour continuer notre aventure sur Saints Row 2. Je vais, là, sincèrement, je vais essayer de farm. Mais le truc, c'est que c'est chiant de farm. Mais je vais être obligé de le faire. Donc, je vais farm un maximum. Et nous, du coup, on se retrouve demain soir. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao. Bonne nuit.